Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour LM Creek. Nous sommes en rushage, on continue à rusher cette carrière. On essaye de faire un maximum de sous pour avancer, pour mettre un gros coup dans la tête. Donc là, on va avoir la récolte tout simplement du champ 49, 47, 48, 50 à faire. Du coup, je suis avec Anto, VG et Steph Soussou, voilà, tout simplement, qui sont sur la mission de patate. Salut les gars. Du coup ils sont sur de la récolte de patates. Voilà, ils ont deux missions de patates à faire. Les deux se vendent au fast food. Ils sont partis. Nous on va tout simplement partir pour récolter 49, 48, 47, 50. Et on va partir avec nos petites duds que je viens d'envoyer au magasin. Voilà, on va aller chercher une barre de coupe. Je pense que pour la rapidité de l'épisode, je vais tout simplement louer une deuxième moissonneuse, qui serait pas mal. Il faudrait que je vous montre le tableau économique parce qu'on a avancé un peu le temps mais on a merdé sur un mois. Donc ici on a vendu deux fois les vaches parce qu'on les a vendues à 23h59. On croyait qu'il était minuit mais en fait on s'est foiré. Donc on n'a pas vendu au mois de juin. Voilà, pour contrecarrer le problème, on les a pas vendues au mois de juin. Et là il faudra revendre les vaches aujourd'hui. Donc en situation économique, on est redescendu à 410 000 pour 4 mois d'avancée. Donc c'est pas mal, ils ont fait 90 000 en off, Anto et Soussou. Et du coup, on va aller vendre les petites vavaches. Hop, vite fait. Du coup, ça nous fait hop, vendre, oui, tac, hop, on reprend les Angus, acheter, boum. Et là, ça nous laissera un tout petit peu de budget, tout simplement, pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire ce soir. Donc... je vais louer une petite moissonneuse. Alors je pense qu'on va pas lésiner forcément dans la moissonneuse. Je vais louer la petite NH, tout simplement, qui va me coûter 13 000 euros. Ouais, c'est pas ouf 13 000 quand même. C'est pas ouf 13 000. Vaut mieux quoi, tourner à deux petites moissonneuses ou tourner avec... à la rigueur, tu sais, pour gagner 1m50, vaut peut-être mieux que tu prennes une deuxième top liner. Ouais, ça va pas être ouf. Ouais, ouais, donc du coup, on va tourner à deux top liner. Tu pourrais descendre entre les 10 000. Bah là on va être à 6000 de location pour la top liner. Plus la barre de coupe. Et plus la location des deux barres de coupe parce qu'il en faudra deux. Ah, tu l'achètes pas? Pour la tienne? La mienne, non, je vais pas l'acheter maintenant. Je vais attendre, je vais être un chien, mais je vais regarder déjà ce qu'on a en promotion. On a rien d'intéressant. Non, le T9, rêvez pas, je vais pas le prendre. Du coup, vu qu'on a rien d'intéressant, je vais louer les deux barres de coupe. Je vais louer les deux barres de coupe, ça me reviendra à quasiment rien en prix. Et on attendra d'avoir une belle promotion ou de changer la moissonneuse, tout simplement, à un moment donné. Là, c'est pas ce qui va nous coûter le plus cher. Du coup, les gars sont sur les missions. Nous, on est sur la moisson. Donc ma top liner elle est là, je vais prendre la barre de coupe et on va attaquer cette mission. VG, je sais pas sur quoi t'es parti. VG, sur rien. Tracteur au champ là-haut, mais après je peux venir t'aider. Ouais, bah après au pire on va tourner à deux sur les récoltes, ça pourrait être pas mal. De toute façon il va nous falloir la remorque classe, je vais l'emmener au champ. Comme ça on l'aura déjà sur place. Il y aura le 52 qui est prêt apparemment, le 52, notre prairie est prête aussi. Donc je pense que sur le 52 on fera de l'enrubanné et du foin sur l'autre. Non, on a dit le sens contraire. Le foin, oui, sur le 52 et l'enrubanné sur 44, 45 et 46. Voilà, ce qui donnera une petite quantité. Et on verra après si le 52, vu qu'il va être très rentable, si on va pas tout simplement commencer à vendre les balles d'ensilage. Ce qui serait pas dégueulasse, ce qui nous rapporterait un peu d'argent. Du coup faire beaucoup plus d'ensilage que de foin. Une fois qu'on aura fait nos stocks de foin corrects, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir bien. Elle avance pas une cacahuète cette top liner, hein. 20 km/h, ça pique, hein. C'est long, ouais, c'est pas rapide. Du coup nous on va attaquer tout simplement le départage de récolte gentiment. Je vais faire le détourage. Je sais pas si je fais un accéléré ou pas, on verra bien les enfants. Vous le verrez mieux que moi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire à part que le bâtiment au milieu là, le petit silo là, je vais le démonter. Alors vous étiez nombreux en commentaire à me dire fais gaffe, tu vas faire un trou et tout ça. C'est déjà le cas qui nous est arrivé au fond quand on a fait l'habillage pour les balles de foin. C'est vrai que le terraforming m'a coûté aussi cher que le bâtiment que j'avais vendu. Donc bon, on n'est pas là non plus pour récupérer 80 000 euros sur le bâtiment pour dire d'arriver à avoir du budget. On est là juste pour récupérer de la place. Donc si ça me coûte 80 000 euros de
terraforming pour le faire bien, bah tant pis, ça me coûtera 80 000 de terraforming. C'est pas grave, c'est juste là je vais enlever le bâtiment pour commencer à placer le matériel correctement et commencer à avoir quelque chose de plus ergonomique dans la ferme et beaucoup plus facile. Donc on n'a toujours pas de semoir, on le rappelle, hein. Ça fait quelques épisodes qu'on dit on doit l'acheter mais on l'achète pas. Et je pense pas qu'on va l'acheter tout de suite, du coup. Là, ce que je voudrais essayer de viser, c'est que du coup, là, on est au mois d'août et on va tout simplement repréparer le champ en colza derrière. Donc, ce qui va nous permettre, parce que au mois d'août, on peut, je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Au mois d'août, on peut refaire les semis de colza, ce qui va nous permettre de retourner jusqu'au mois de juin. Donc, ça va nous faire passer une grosse période. Donc, août et jusqu'à juin, on va le faire en off. Donc on va faire un maximum de missions, un maximum de budget, parce que je voudrais vraiment changer tout simplement le corps de ferme niveau vache. Je voudrais vraiment le poser, le gros bâtiment, à 518 000, ouais, c'est ça. Je suis parti voir 518 500, voilà, je voudrais vraiment poser ça. Donc on va essayer de faire un maximum de sous dans l'année pour essayer. On a dit essayer, hein, c'est pas dit qu'on y arrive. Mais on verra si on arrive à faire pas mal de bénéfices. Donc du coup, vous avez dû vous rendre compte, mais les épisodes ont commencé à s'espacer. Je suis désolé les enfants, mais dans ma gestion de vie et dans mon gestion de temps, j'ai pas le choix. Je dois commencer à espacer les épisodes parce que ça me prend énormément de temps. Et puis n'oubliez pas, madame est toujours le bras dans le plâtre. Elle a toujours le bras dans le plâtre. Je vais y arriver, hein. On sera repris à deux fois. Mais bon. Du coup, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire des vidéos, pas autant que j'aimerais en avoir. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à espacer. Et puis bon, on arrive à une période de l'année aussi où voilà, vous reprenez le travail chacun, vous avez beaucoup moins de temps pour les vidéos. Donc du coup, une vidéo par jour, ça ne vous intéresse plus vraiment. À part les gars qui peuvent les regarder, mais sinon, je pense qu'une tous les deux jours, ça suffira largement. Et on peut reprendre un rythme de croisière sur une tous les deux jours, ça sera plus propre. Au moins pour moi, niveau gestion de vie, parce que quand même, pour faire un épisode, c'est 5 minutes. Non, c'est 5 heures. Donc du coup, voilà, 5 heures par épisode, ça me faisait environ, quand on arrivait à faire de l'avance, ça faisait 10 heures de boulot pour 2 jours, tu vois, et je faisais une journée d'avance, donc c'était un peu compliqué. Donc là, du coup, ça me fait 10 heures de boulot pour 4 jours, ça va beaucoup mieux niveau gestion de travail. Donc les gars, on va avancer ça gentiment. VG va me rejoindre bientôt avec la top liner. On va tacler le champ à 2 rapidement, histoire de dire. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Allez, on se retrouve juste après l'accès. Thank you.
perdu VG. Un soldat est tombé au combat. À cause d'une connexion 4G. Il est tombé ou... Ah bah il est tombé là. Je crois que là c'est fini. La fin. C'est la fin du monde. Il essaye de parler mais c'est interstellaire là. Il est dans la quatrième dimension. Le rendement est bien. Le rendement est bon. Je pense que j'aurais pas assez pour prendre toute la dernière ligne, donc je pense que tu peux me suivre. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait en quantité, parce que vu qu'on tourne sur deux moissonneuses et tout ça, on verra à la fin, on aura tout posé dans les silos. Mais je pense qu'on est à 20-25 000 dépassés, quoi. Je viens d'aller livrer 22 000, là. 22 000, ah oui, ouais. Donc il y a déjà une remorque qui a été vidée de la classe. Ah, on est peut-être 40, ouais, 45 000. C'est moi, j'ai encore 5 000 litres dedans, là, je sais pas combien t'as sous dedans, du coup. J'ai 2300, voilà, tu montes à 2400. 2400, ok. Puis je prends la ligne derrière toi et puis... Je prends la ligne derrière moi, sinon je faisais l'aller-retour dedans. Comme ça, je venais vider à la remorque directement. Ouais, remplissez la classe, comme ça, celle-là, on va pas la vider, on va la laisser au pool. Ouais. Ok, 42 000 au silo. Ouais. 42, ouais. Et on est à 423, donc c'est pas le moment de le vendre, donc on va pas le vendre là, parce qu'on peut monter plus haut, donc on va attendre que ça tourne autour des 490-500, et on verra quand est-ce qu'on le vendra. Et là, cette remorque-là, on va la laisser pour les poules, du coup. Ah, VG. Le soldat VG est de retour. Oui, parce qu'on a perdu le soldat VG sur la route à cause de la 4G. Pas la mienne, hein. C'est la sienne, pour une fois, ça change. Bah, parle, vas-y, parle. Moi, je parle. Du coup, on va poser tout simplement ça. Je vais mettre un ouvrier avec le stailleur sur, pour broyer le champ. Et on va attaquer l'enrubanné sur le 50. Non, sur le 44, 45, 46. Et on attaquera le foin après, bien sûr. Hop, on allume les faucheuses, c'est parti. C'est pas déployé, il faut déployer. Hop, B. Et on va faire de l'enrubanage direct ici. Et on fera du foin là-haut direct. Comme ça, là, on sera pas trop mal. Donc ça va nous faire une bonne quantité de... Bien sûr, de... Merde, d'ensilage. Enfin, d'enrubanné. Ce qui va nous permettre de survivre avec les vaches. On va essayer de remplir correctement le silo. Qui sera pas une mauvaise idée dès le départ. Et zéro bardi, vous dites tout. Déjà deux balles de fer d'enrubanné, c'est pas mal, c'est sympathique. Combien de balles d'enrubanné d'après vous on va faire là-dedans? Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on va en faire quelques-unes. On va faire trois. Allez, trois je pense. Trois, ça va être le maximum. Donc les gars en mission, ils ont commencé à avancer légèrement. Même plutôt bien, parce qu'en mission, ils ont quasiment claqué ce qu'ils avaient. Je vous montre. Ils ont encore une récolte de patates à faire, il y en a une qui est finie. Là il y a de l'ensemencement, il y a de la récolte de colza avec Inéage, il y a du travail des champs, donc il y a de quoi faire. Ça devrait bien se passer, on devrait rentrer un peu de liquidité. Et moi je vais essayer de virer mon bâtiment juste après, je pense que ça sera pas mal. Ça sera pas dégueulasse. Hop là, 100, j'ai été chercher la quatrième en grattant un peu les bords. Comme ça c'est fait. On va aller poser ça vite fait à côté, que les gars se fassent pas chier à remplir les balles. On va commencer par faire les deux autres champs aussi, ça devrait bien se passer. Mais je pense qu'en enrubanné, on va avoir du stock assez conséquent. Je pense qu'après, une fois qu'on aura fait le foin dans le 52, je pense que si le prochain coup on le fait en enrubanné, il y a moyen de dire qu'il y aurait de quoi vendre un peu d'enrubanné. Je pense vraiment, parce que ça va faire du stock. Ah. Faire vraiment du stock. La quantité de sorgho qu'on vient de passer, on a fait plus de frais que la vente de. On a rien gagné en fait sur le champ. Par rapport à quoi? Le fait de l'avoir labouré et tout? Non, non, le fait de louer le semoir et d'avoir loué la moissonneuse et la barre de coupe de la deuxième, on a rien gagné. On a dépensé 25 000, on va gagner à peu près 25-30 000 avec. On a rien gagné. Encore, on va pas gagner 25-30 000, il faut garder pour les poules. Ouais, s'il y en a plus pour les poules, ouais, il va falloir garder pour les poules. Mais il reste que 6 000 de blé en stock. Ouais, mais 40 000, t'as de quoi faire 4 ans, tu sais. Donc au pire, on vend pas le sorgho, on le garde, tu sais. Ouais. On peut faire ça, hein. Carrément faire ça. Sorgho, là, au pire, ça va être pour les poules, et là, on va avoir quelques années avec les poules, du coup. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, on n'a pas besoin de re-rec à mois de décembre là pour dire de faire la vente.
peut tirer directement dedans, le garder, et puis on ira jusqu'au colza, quoi. Un petit CIO, d'après toi, 125 000, là, il y a moyen? Si je vends le bâtiment du milieu, là, avec le terraforming de fée et tout ça. Là, maintenant, tout de suite, là? Ouais, sur la fin d'épisode, là. Il y a peut-être moyen, non? Je vais mettre le mode de construction. On pourrait peut-être mettre un silo à la place de, du truc. Comme ça, ça referait un peu le terraforming un peu tout seul, quoi. Ça serait pas dégueulasse. Un karcher, oui, je vous mets le karcher. Je suis d'accord. Impeccable. Oh, mais le massé, le fendi sont dans les états. Ouais, je sais, c'est un peu dégueulasse. Mais il a pas plu depuis longtemps. D'habitude, ça nettoie les véhicules. C'est pour ça que j'ai pas besoin de, nettoyer. Bah, écoute, ça fait un paquet de balles quand même. On a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai une dans le cul. Il y en a une autre qui vient. Je suis déjà à 10 balles là. 10 balles d'enrubané. J'imagine pas le 52 quand on va le faire. En foin, ce que ça va donner. Je pense que ça va donner un tout petit peu de réserve, t'sais. Ça va pas être dégueulasse le truc. T'sais. Et une petite touffe la VG. Une petite touffe VG. VG. T'as oublié une petite touffe, oui. Le robot. Le robot, t'as oublié une petite touffe. Du soja, toi. C'est pas du soja, c'est du sorgho. Et bah tu as laissé du sorgho. Ouais, j'ai peut-être laissé les petits bords. T'es. Après, ce qu'il y a, c'est que si tu veux poser le. Si tu veux poser le silo, on peut pas dire d'acheter le. Je sais pas. Je sais pas, ça dépend combien ça me coûte en. En terraformage ou tout ça, je sais pas, du tout. Il y a 80 000 en dispo, tu récupères 50 000 avec la. Le bâtiment. Ça fait 80, ça fait 130 000. 130 000, ton silo t'as dit qu'il coûte 117 000. 125 000, je crois. Ouais, voilà, donc on a attaqué. On n'arrivera pas à redégager 50 000. Bah, j'ai confiance en vous. T'es sûr là, tu me fais pas 50 000 euros dans l'épisode là? Oh, avec toutes les missions de patates là, y'a moyen. Ah, mec, Steph il arrive à boucler la mission de patate avant. Et là, je sais pourquoi tu voulais l'Arcusin, c'est parce que t'es en train de te dire t'as pas de plateau, le plateau est pas disponible. Ça, et puis simplement que tu vois le temps qu'on va passer à charger. Ouais, je sais pas. Donc voilà, fini. Donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 balles. 18 et 4, 22. On est bon. On est bon. 22 balles d'enrubanage. Ça va, ça, c'est largement ce qu'il faut pour passer largement plus d'une année. Et t'as pas attaqué le 52 quoi. Et j'ai pas attaqué le 52 en foin, mais là après ça va être le foin, ça va être différent. Ah ouais. Donc ça va pas être la même. Donc là je vais essayer de. Je vais virer déjà mon matos qui est là. Enfin le matos, la moissonneuse, parce qu'elle, elle est sûre et certaine, elle est dans un trou. On va virer le bâtiment. Les gars sont en train de semer dans le champ juste à côté. Si vous voulez, le colza va être déjà préparé, il y aura plus qu'une étape d'engrais à passer. Qui sera pas forcément dégueulasse. Donc je pense pas que le foin je le ferai en vidéo, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais vous montrer à peu près comment ça se passe. Donc là ils ont passé le broyeur, là il est en train de passer le semoir, du coup il manquera, là il faudra passer un coup de houe après. Donc il manquera plombage. Juste le plombage et la houe, voilà. Donc, et une étape de fertile. Donc du coup on fera ça en off quand on avancera le temps. Du coup, on va partir dans le brut du brut. On va récupérer, donc ça tombe bien que j'ai pas de sous sur le compte. On va récupérer les 50 000 euros de la grange, du corps de ferme. Ok. Et là, on a un gros trou, vous voyez? Ah non, 38 000. Ah non, 38 000. Ouais. 38 000 euros. Ouais. Et quand j'ai voulu la vendre, ça marquait 50 000. Ouais, moi pareil. Ça a marqué 58 000 euros. C'est pas cool. C'est pas cool. Surtout qu'il va falloir que je fasse le niveau. Donc, c'est qu'à le dire, dans mon cululu. Du coup, on va essayer de faire le niveau. T'as vu, il y a de la place maintenant pour rentrer dans le bâtiment. Bah voilà. Ouais. Eh, c'est pas dégueulasse. Du coup, on a dépensé 25 000 pour le terraforming. On a même pas dépensé tout le budget qu'on avait. Pas 25 000. T'as 23 000 et t'as avec 38 000. Ah oui, non, 38 000, ouais. Ah si, y a un petit défaut là. Bon, le problème, c'est qu'on a plus assez de rangement pour le matériel maintenant, mais. Sinon, c'est pas. Voilà, c'est pas dégueulasse du tout. Du coup, on va retaper un tout petit peu le crédit pour acheter l'Arcusin, c'est ça que vous vouliez pour les balles rondes? Anderson. Ok. C'est pour les balles rondes, c'est le tout premier à.
Je sais plus le tarif maintenant. On l'a plus. 50 000. 50. Il prend 24 balles rondes. Hop, on sera plus chier à ramasser les balles. Ça, c'est fait. Nickel. Moi qui voulais m'acheter un télescopique. Dommage. Ça sera pas pour tout de suite. Du coup, ça c'est bon, il y aura plus qu'à ramasser limite. Alors on en est où? Faisons un petit chèque. Le bâtiment est enlevé. Du coup, on a fait un peu de terraforming. Du coup, on a 57 000 euros sur le crédit qu'on va pouvoir rembourser. On était à moins 410 000, on est redescendu à moins 440 000. On est à découvert de 2500, c'est normal. Les gars étaient en mission. On n'a pas de promotion. La mission de récolte 4 000 est faite. La 21 000 est à 61%. Non, je la rends pas. La 32 va pouvoir être faite, le travail des champs aussi, donc on a un petit 30 000. Et du coup, là, on a replanté en colza, il y aura un petit épandage à engrais à faire, après le plondage. Et du coup, ce champ-là sera terminé, et on va pouvoir avancer le temps gentiment jusqu'au bout. Donc, je pense que ça sera pas dégueulasse du tout. Je pense que ça sera même plutôt bien. Donc, on va avoir pour mission d'avancer de août à juin. Donc ce qui fera tout à fait le café, je pense, et ce qui nous fera quelques sous-sous, je pense, dans l'année qu'on arrivera à faire, parce que bien sûr avec les ventes des vaches et tout, il y a la vente de l'enclos aussi, j'espère que derrière on pourra faire ce qu'il faut. La serre, elle est à 16 000 litres, c'est bon, les moutons, ah ouais, il va y avoir la vente, du coup tu vas faire beaucoup vu qu'on avance d'un an, tu vas pas vendre des œufs, pas vendre la laine, on les vendra quand on reprendra, ou tu les vends, on les vend... Écoute, est-ce qu'on n'achèterait pas, on a encore un peu de budget. Ouais. Est-ce qu'éventuellement on n'achèterait pas un deuxième plateau? Ouais. Et dire d'avoir un plateau pour les œufs, un plateau pour la laine. Parce que de toute façon, par la suite, je pense que tu vas investir sur la filature. Ouais, ça peut être une option. Donc, au bout d'un moment, tu auras besoin d'un autre plateau là-haut pour dire de trimballer les palettes. Ouais, carrément. Non, bah ouais, allez, hop, vendu. Ça, j'aime bien l'idée. Un pour les œufs et un pour les trucs. De toute façon, tu me parles de dépenser, je suis partant. Alors, pas de soucis. Alors... Allez, zou, charge à Zaval, hop, plateau, hop, 14 000. Je vais te le mettre en petite roue, celui-là. Même configuration que l'autre, ouais. Donc là, t'as un plateau spécial poule. Je t'ai mis une petite plaque d'immatriculation dessus, c'est écrit poule. Ouais, ça va. Acheter 14 000 euros. Allez, Abzou, voilà. Du coup, vous avez deux plateaux. Et du coup, c'est pas mal. Ça, il y aura de la place pour stocker. Ouais, carrément. Quand tu feras la vente de ça, ça fera un bon billet. Ça remboursera largement le plateau. Carrément. Ça remboursera largement le plateau. Et on aura un gros truc. Au pire, on pourra peut-être acheter la filature. On verra combien de sous on fait dans l'année. Je pense que ça sera pas dégueulasse. Donc, vous doutez bien que le foin, on va le faire en off. Hein, sinon, l'épisode va durer beaucoup trop longtemps. Donc on va faire le foin et on se retrouve pour la récolte de colza. Hein. Alors vous, vous allez voir un grand cooldown, mais nous on va farmer hein, les cochons. On va farmer comme des cochons aussi. Donc ça devrait le faire. On va se laisser là, on dira merci à VG, Anto et Soussou qui nous aident comme ça sur le côté, qui nous permettent d'avancer assez bien cette partie-là. Et on se dit à la prochaine avec Schizo. Ciao, bonsoir. Ciao. Ciao.